Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais encore vous montrer comment préparer une autre potion magique. Ok? On va ajouter un ingrédient auquel vous n'avez pas encore pensé. Ok? Le but des lavages, c'est de restaurer son aura. C'est de restaurer sa chance. Je sais que vous avez tellement souffert que vous pensez que vous n'avez pas de chance. Vous pensez que la vie est de la souffrance. Il y a des gens ici dehors qui ne souffrent pas. Je vous dis. C'est vrai que ça vous énerve. Il y a des gens qui ne souffrent pas. Il y a des gens vraiment. Bonsoir, bonsoir. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Je vous dis tout le temps avant de commencer à montrer tout ce que je fais. Je sais que l'homme camerounais aime cacher ce qu'il fait. Quand il découvre quelque chose, il aime cacher, il n'aime pas montrer aux autres. J'ai toujours désiré la prospérité de tout le monde. Si tout le Camerounais prospère, le Cameroun sera prospère. Au lieu de se plaindre que la présidence, on a fait ceci, mais à vous chercher comment tout le monde va prospérer. Ok? La mère de Kevin, je ressemble à ta meilleure amie. Ok. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous montrer brièvement ce qu'on va utiliser. Ok? Donc, pour le lavage, on va préparer un lavage spécial aujourd'hui. Donc, vous connaissez ça, non? Le sel de mer. Donc, on va le mélanger avec du sucre. Et vous assurez qu'il y ait des fourmis dessus. Il doit y avoir des fourmis sur votre sucre. Donc, je vous fais marcher, ok? Mais quelques fourmis ne feraient pas de mal. Vous savez que le sucre au Cameroun, quand tu laisses... C'est le sucre en bain que les fourmis ne touchent pas. Bonsoir les rois et les reines. Donc, partagez. J'ai fait... La vidéo que j'avais faite sur Onalia, ça avait beaucoup marqué les gens. Ça a aidé. Beaucoup de personnes m'ont donné des feedbacks. Donc voilà. Et à la fin, je vais vous montrer un ingrédient magique qu'on va ajouter. Ok? Donc on va faire le bain avec du sel, du sucre. Et bon, bien sûr, si c'est un bain, ça veut dire qu'il y a de l'eau. C'est pas de l'eau tanguy. J'ai mis dans la bouteille. Donc quand vous faites votre bain, de préférence, faites-le avec de l'eau qui sort de la terre ou de l'eau qui vient de l'air. Donc je vous enseignerai un peu plus sur les pouvoirs. Pouvoir de l'air, pouvoir de l'eau. Voilà. Le sel déjà, ça représente l'eau. Ok? Donc ceux qui ont peur de l'esprit des eaux là, si vous mangez le sel, si vous mangez la nourriture, le sel, vous avez à manger. Ok? Vous avez été en contact avec l'esprit des eaux. Quand vous êtes là souvent, vous avez peur. Ou au moins, il ne veut pas l'esprit. Donc, le bâton de commandement de quelqu'un. L'esprit te montre que son bâton de commandement, c'est le serpent. Moi, j'ai peur du serpent. J'ai peur du serpent. Oh. Ce n'est pas une créature de Dieu. Arrêtez-vous tout que la Bible dit que le serpent est venu faire ceci, ceci. Le serpent, ce n'est pas Dieu qui a créé. Donc, arrêtez d'avoir peur. Oh, j'ai peur du serpent. J'ai peur du serpent. Et vous avez les a priori qui viennent même en fait vous bloquer. Peut-être ta force, c'est vraiment dans un de ces animaux-là. Peut-être ta force, c'est dans le serpent. Et toi, tu as peur du serpent. Comment est-ce que ta chose peut marcher donc? Parce que tu n'utilises pas ton pouvoir. Écoutez, si vous êtes parti dans les églises, parce que vous cherchez la solution, parce que vous vouliez que quelqu'un vous dise, « Oh, pasteur, est-ce que c'est là-bas ?» Jésus a dit, « Vous êtes des dieux. » Bonsoir, Brigitte. « Vous êtes des dieux. » Et Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu qui est à l'intérieur. Découvrez la puissance que vous avez en vous, dans votre bouche. Et vous allez voir que toutes ces autres choses... Les choses, écrivez le mot chose, vous allez voir. Le mot chose, toutes les choses, la voiture, la maison, le mariage, les enfants, l'âme. Vous connaissez l'âme, non? L'âme,
Le boulot, quand tu cherches même le vrai angle, tu ne vas pas travailler pour quelqu'un. Tu crées tes propres business. Tu crées tes propres business. Je suis surbooké. Donc, je vous préviens, moi. Vous me voyez, vous allez regarder. Depuis 5 jours, DHL me fait des scènes et des scènes. Donc, je ne vais même pas parler de cela. Donc, si quelqu'un, vous savez que beaucoup d'entre vous avez pris les rendez-vous avec moi. Aujourd'hui, je n'ai pu faire que peut-être 5 consultations. Tout le reste, j'ai même 300 messages qui attendent. Donc, vous allez savoir m'excuser. Je me suis rendu compte qu'il n'y a même plus de vie. Bon, je continue quand même ce que je suis censé faire. Je vais vous montrer comment on fait le bain. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas assez de sous pour acheter toutes les gammes de ceci, gammes de cela. Ce que je vous prie de faire, c'est quoi? Ne vous dites pas, comme je n'ai pas l'argent pour acheter ça, ça veut dire que les produits que vous voyez là, on a fait de la mer morte. La mer morte, c'est humain, non? J'ai dit que l'eau qui vient de la terre ou de l'air. Ok? Donc, ne vous dites pas que comme je n'ai pas acheté la gamme de ceci ou la gamme de cela, ce qui va compter d'abord, c'est ta foi. Donc, le bain que je suis en train de vouloir mettre là, bonsoir à ceux qui de bonsoir à tout le monde. Ce qu'elle va vous montrer là, si vous ne connaissez pas parler, vous mettez votre cœur, vous mettez les poumons sur ça. À partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter d'être amoureuse de je t'aime mon chéri. Non, on ne met pas le cœur sur l'homme. Donc, il y a des instructions particulières que je vais vous donner pour les bains que je vous montre chaque jour de faire. Premièrement, le bain se fait tôt le matin. Donc, quand tu te lèves, parce que quand tu te couches, tu dors, tu as ta puissance qui s'accumule. Tu as la puissance qui s'accumule à l'intérieur de toi. Donc quand tu te réveilles, et si vous êtes, si vous laissez être un peu sensible, vous allez vous rendre compte que quand vous vous réveillez, les premières 10 minutes de votre réveil, votre esprit commence à revenir. Après, vous commencez à avoir vos idées. L'idée de ceci, oui, l'homme-là m'a fait ça comme ça. En attendant que monsieur se réveille pour dire que je veux coucher avec toi. Tu commences à penser. Après, une idée te dit que il est 5h10. Prends WhatsApp, tu regardes. Dès que tu commences à regarder WhatsApp, tu as le message de tête. Actuellement, j'ai 222 messages sur WhatsApp non lus. 222. Toutes les 5 minutes, j'ai au moins 2 personnes qui m'écrivent. Donc, écoutez-moi. J'ai déjà 2 secrétaires que j'ai pris en 4 jours. Donc, quand tu te mets sur WhatsApp, tu vas commencer à voir telle personne qui t'écrit, telle personne qui t'écrit. Peut-être dans la nuit, quelqu'un avait sa part de flèche qui voulait lancer sur toi. Il te fait un message que quand tu vas le lire comme ça, ça va t'énerver. Tu ouvres ton message le matin. Au lieu de te lever, tu prends ta puissance que tu as le matin quand tu étais réveillé là. Tu pars, tu mets vous savez quoi, je vais mettre le bain là d'abord. Pendant que ça va bouillir, on va bavarder. Bon, comment faire le bain? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, il faut du sel de mer. Si vous n'avez pas le sel de mer, vous faites avec le sel normal. OK? Il faut du sel. Il faut du sucre. Votre sucre doit avoir des fourmis mortes ou vivantes. Elles vont bouillir. Les fourmis là vont mourir dans l'eau. Il doit... Ah, non, je blague. Vous ne pouvez pas forcément avoir des fourmis dedans. Et vous devez avoir aussi de l'eau. De l'eau. Voilà, de l'eau. Donc, de préférence, l'eau de la pluie ou l'eau du puits. Donc, on va faire ça dans cette marmite. Ce que vous faites, c'est que vous allez mettre votre sucre. Donc, ce bain-ci, c'est le bain de prospérité, ouverture des portes. Et les gens que vous repoussez toujours les hommes. Donc, je vous ai dit bain d'attirance. OK? Il y en a parmi vous, vous sentez déjà qu'il y a une odeur là sur vous, que, maman. Toi, tu ne sens pas ton odeur. Une femme est venue l'autre jour pour la consultation. Elle ne sentait pas bon du tout. Donc, je vous ai dit que je vais commencer à commercialiser les parfums parce que, pas les parfums, les déodorants. Quand elle est partie, maman, ma secrétaire s'assoit et dit que, maman, la femme s'y sentait mal. Puis c'est bizarre. Voilà. Alexis, mamie, vous savez quoi? Écoutez-moi. Si vous vous fâchez avec moi,
J'ai vraiment les hommes pour vous dire. Mamie, j'ai 200. Vois tes messages au WhatsApp. Tu as 10 messages, non? Quand j'ouvre 3 messages, j'ai 7 messages qui arrivent. Aujourd'hui, je n'ai même pas fait la moitié des consultations que j'avais prévues. Donc, il faut quand même que j'ai une vie. Il est quelle heure là? Regardez. Il est 21h44. Je vais finir le direct si je vais encore aller préparer des commandes. Donc, j'ai trop pris de rendez-vous. Je vais les étendre sur une semaine. Vous avez compris, non? Vous allez seulement étendre vos messages. Vraiment. Comme je fais le direct, c'est la app. Quand il va finir, pendant le direct, j'ai au moins 20 messages qui vont arriver. Angèle, tu dis que tu as fait le bain au Nalia. Les boutons sautent sur toi. Les boutons sautent sur toi. Comment ça sort ou ça part? Bonsoir, bonsoir. Donc ce bain, si j'ai dit que ce bain, si c'est pour restaurer votre étoile, enlever les mauvaises, le rejet, le dégoût que les gens ont pour vous. Ouais, peu chérie, tu n'as pas les fourmis. Ouais, on va faire comment? Oh non, tu sais quoi? Oh, celui que tu n'es pas au Cameroun, tu n'es pas en bain. Tu es en bain. Parce que si tu es au Cameroun, tu vas avoir des fourmis dans ton. À Douala, non, tu déposes seulement comme ça. Donc voici, je vous montre comment on fait le bain. Ça, c'est pour les gens qui disent que je n'ai pas l'argent. Et même ceux qui ont l'argent, qui ont acheté tout leur bain, vous pouvez faire ça, vous ajouter au bain que vous avez déjà. Voilà. Donc vous mettez le sucre. Vous mettez le sel. Ok? Et l'énergie autour de ce que vous faites est très importante. Je ne vous mens pas. Les trucs que vous faites, on veut seulement vous engueuler là. Non. Fuyez ça. Donc, après, vous versez votre eau. C'est vraiment les fourminages, non. Ça va apporter la graisse. Ça va mettre le bon goût. Ça va mettre le bon goût du vieil chat. Voilà. Vous voyez, non. Bon, comme je vais faire bouillir ceci longtemps, je n'ai pas l'eau du puits ce soir. Donc, je fais seulement avec l'eau que j'ai. Après, je vais vous donner les astuces pour que le bain s'y marche parfaitement. Donc, ce que vous faites, vous versez beaucoup d'eau. Voilà. Tu as des amis qui arrivent au Cameroun. Ok. Donc voilà ça, non. Voilà, allume le feu là-bas. Maintenant, ça, on va faire bouillir. Pendant que je fais le japap avec vous. Voilà. Non, fais ça, fais ça. Mais tu dois. Voilà, c'est ça. Donc pendant que je mets ça au feu, on se rentre et fait les commentaires. Voilà. Vous mettez le feu. Vous devez faire bouillir ceci 20 à 30 minutes. Ok. Habit impératrice. Donc, elle ne savait pas qu'elle blaguait. Vraiment, vous, c'est là. Il y a un ingrédient magique qu'on va ajouter à la fin. Après avoir fait bouillir ça. Ok, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, on va laisser ça bouillir. Voilà, regardez. Vous laissez, vous mettez vraiment au feu fort. Vous devez laisser que ça rentre, que le sucre entre dans le sel. Et le sel entre dans le sucre. Bon. Ok. Quand je vais donner les astuces pour le bain maintenant. Ok. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Peut-être que vous n'avez pas l'argent pour acheter tous les bains que je montre ici. Ok. Maintenant, quand c'est au feu comme ça. Je vous conseille de faire cette mixture ici là. 2 ou 3 heures avant le bain. Parce qu'après, il va falloir laisser refroidir. Vous pouvez faire les grandes quantités. Quand vous voulez vous laver maintenant, vous prenez un peu, vous mettez dans votre bain. C'est très fort, l'odeur est très forte, donc ça va parfumer votre bain. Si vous avez la baignoire à la maison, vous pouvez faire peut-être un seau de 5 litres. Vous mettez l'eau pleine dans la baignoire et puis vous rajoutez les 5 litres d'eau là-dedans. Ça va faire le travail. Et après, vous allez vous mettre dans la... Vous allez entrer dans le bain. Vous allez vous êtes couché, bien sûr. Si tu es dans le bain, tu es couché. Tu vas donc laisser que l'eau là entre dans ta peau. Quand on vient mettre les choses sur vous, quand les entités négatives s'accrochent sur vous, c'est sur votre peau qui vient se coller. Ceux qui font les bons régulièrement, léchez-vous, vous allez voir. Vous allez voir que vous êtes salé.
Vous êtes devenu le sel de la terre. Vous allez pratiquer la Bible. Vous allez arrêter de faire les shababababababa, oh shakarabababa. Et vous ne mettez pas en pratique ce que la Bible dit. Genre, je prends vraiment de façon littérale. Voilà, il y a les gens à Dubaï. Vous m'avez dit que pour poster à Dubaï, c'est difficile. Là-bas, même chercher les ingrédients que je suis en train de vous montrer ici. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Il y a des choses avec la cannelle. Il y a des choses qu'on fait avec le clou de girofle. Tous les soirs, je vais vous montrer une nouvelle potion. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où vous êtes bloqués. Il n'y a pas quelqu'un qui vient au pays. Je ne peux rien vous envoyer. Qu'est-ce que vous faites? Utilisez ce que vous avez à la maison. Même si vous n'avez pas le sel de mer. Le sel, c'est le sel. Le sel de mer, tu complètes avec ta foi. Tu complètes avec ta foi. Tu mets le cœur, tu mets les poumons sur ça. Quand tu dis souvent, chérie, je t'aime, non, complète avec ta foi. Voilà. Donc j'ai dit, le bain, si vous le faites le matin, quand vous vous levez le matin, ne parlez à personne. Donc ta voix ne doit pas sortir. Ta voix ne doit pas sortir, tes pensées non plus ne doivent pas partir de ta tête. Ne pas sur WhatsApp, ne pas sur Messenger, ne pas sur la page de Majaki, ne pas sur ceci, cela. Vous êtes toujours sur les TikTok, vous regardez. Ça prend votre énergie. L'énergie, la prenez ça, vous mettez ça sur vous le matin. Quand vous lavez le matin, vous regardez dans la direction est. Quand vous lavez le soir, vous regardez dans la direction ouest. Écoutez-moi bien. Il y a des lois spirituelles que vous avez ignorées. Personne ne vous a enseigné. Du coup, vous vous retrouvez piégé. Vous vous retrouvez dans les situations. Pourquoi? Parce qu'on ne vous avait pas montré. Et quand on ne vous montre pas, vous vous retrouvez 5 ans, 10 ans, tu fais le commerce et ça ne marche pas. 5 hommes viennent t'épouser en 5 ans, tu divorces. Wow. Les hommes vont courir derrière vous. Je vous dis. Bon, attendez, j'allume mes encens, je vais continuer à vous donner d'autres. J'ai d'autres astuces. Attends, j'allume l'encens ici. Il y a d'autres, prends d'autres, s'il te plaît. Donc voilà un encens que je vais brûler. Comme je vous ai dit, chaque soir quand vous rentrez à la maison, vous allumez votre encens. Et en allumant l'encens, vous mettez vos prières. Il y a les encens que sur le papier, ça a 7. Il y a d'autres encens. On ne met pas le même encens. Donc, comme tu as déjà mis l'autre là, on va mettre une autre couleur. À un moment, je vous montrerai aussi les différents encens. Si vous ne pouvez pas acheter l'encens, voici l'encens Saint-Michel. Si votre mari n'aime pas l'encens, brûlez quand il est sorti. À son retour, l'encens sera déjà fini à la maison. Donc, je vais répéter les instructions que je vous ai données, s'il vous plaît. Et quand vous brûlez pour la première fois, si vous avez reçu mes paquets, vous ouvrez, vous mettez les encens dans chaque chambre, chaque pièce de votre maison. Et vous fermez les fenêtres, donc ça ne sort pas à l'extérieur. Ça reste à l'intérieur, mais les pièces communiquent entre elles. Voilà. Donc vous allumez votre bougie. Ça représente le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand les gens meurent, on dépose ça sur leur cercueil. Ceux qui sont baptisés. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ok. Je vais vous montrer le bain qu'on est en train de faire. Voilà ça. Vous voyez les fourmis qui flottent, non? Voilà les petites fourmis qui flottent là-bas. Elles vont faire que la nourriture, c'est le bon goût. Cherchez le vrai chat. Voilà. Donc, on va laisser bouillir 15 minutes. Non, 20 à 30 minutes, pardon. Ou bien que ça, il faut que ça boue longtemps. Ok. Je vais répéter les instructions que je vous ai données. Quand vous voulez faire votre bain, le matin, vous ne parlez à personne. Même si vous dormez avec votre bon gars. Dès que vous ouvrez les yeux, il sera en train de ronfler. Avant qu'il se lève, vous dit qu'il veut te toucher là. Tu peux faire ton bain. Et
si vous observez votre comment vous êtes demain matin, vous allez voir que quand vous venez de vous réveiller, vous sentez l'énergie en vous. Vous allez sentir une certaine puissance dans vous là. Vous allez sentir genre, c'est là que c'est le moment. Parce que votre énergie est encore pure, elle est encore forte. Et dans la Bible, il faisait les lavages. Jésus, parfois, tu viens le voir comme ça là. Il prend quelque chose, il met sur tes yeux. Il dit, va te laver là-bas. Dans la Bible, il y avait les lavages. Ok? Il y avait les lavages. Donc arrêtez de dire que vous êtes chrétien. Parce que l'église peut fermer tes yeux. La preuve, vous êtes là-bas depuis 8 ans. J'ai parlé avec une dame. Je crois que j'ai conseillé peut-être 3 personnes aujourd'hui. Je suis passé à minuit qu'elle est consultée. Parfois à minuit, je suis en train de consulter les gens. Donc si vous me contactez, pardon, soyez patient. Je fais de mon mieux pour vous répondre. Même si vous donnez le rendez-vous dans 2 semaines, je vais le faire, je vais l'honorer. Donc, là, je cause avec la dame, elle me dit... attendez, l'eau bout déjà. Hein. Elle a fait 8 ans à l'église. Vous voyez comment ça boue, non? Je vais un peu goûter pour voir quel goût ça. Jesus. C'est salé. Le sel domine, bien sûr. Elle me dit qu'elle a fait 8 ans à l'église. Elle l'a donné, prié, jeûné, attendu, prêché. Dites encore, parlez non. Moi-même, j'ai fait le temps à l'église, j'ai prêché. Je prêche toujours. Ceux qui arrivent sur ma page, ils me disent que je ne suis pas chrétienne. Si vous m'appelez sorcier, il n'y a pas de souci. Je suis sorcier, Sam. Sorcier, Jocelyne. Reine Jocelyne, dites-moi, je prends tous les noms. Mais ce ne sont pas vos noms qui me définissent. Je sais que je suis la parole. Je sais que j'étais envoyé pour vous délivrer. Vous allez sortir des trous dans lesquels on vous a mis. Combien de fois vous avez donné dans les églises? Moi-même, je donne. Hein? Mais quand tu donnes, tu dois avoir le résultat. Tu donnes, tu dois avoir le résultat. Imposez ça à Dieu. Ce matin, dans la prière du matin, j'ai précisé ce passage. Ceux qui sont dans le groupe de prière, vous avez remarqué que je suis très dur avec vous. Parce que je n'aime pas quand vous venez faire les téléspectateurs. Vous vous connectez le matin, 6 heures, tu déposes le téléphone là-bas pendant que tu es en train de dormir ou tu es en train de... Non, ce n'est pas la radio. Donc, vous voyez, alors on m'appelle. Vous voyez, il est 22 heures. Quand il vous dit que je ne dors pas. Ouais, je ne vais même pas commenter. No comment. Vous avez beaucoup s'aimé, vous avez cherché. Vous avez espéré, vous avez attendu. Et je leur disais ce matin que Jésus a dit dans la Bible, demandez et vous recevrez. Pour que votre joie soit complète. Dieu veut que tu aies tes papiers. Si tu n'es pas convaincu dans ta tête, tu vas tout te dire qu'il faut encore 10 ans. Dieu veut que ton business prospère. Arrêtez de dire qu'il faut encore le temps. Je n'aime pas le temps, je n'aime pas. Quand moi je grandissais, je voulais être adulte une fois. La fille, moi qui était enceinte, je disais, mais pourquoi tu dois attendre 9 mois? Le temps, c'est quoi ça? Donc, ceux qui viennent d'arriver, bonsoir. Je vous montre comment on prépare ceci. Après, vous allez faire le lavage avec, vous allez vous laver avec. Ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter les produits, ou bien ceux qui sont dans des pays où on ne peut pas vous donner les produits. Même si vous avez déjà acheté vos produits, faites ceci, vous augmentez sur ça. Donc, on va faire bouillir comme ça là. 30 minutes. Il faut que ça entre bien, que le sucre entre bien dans le sel entre dans le sucre. Donc, on a mis du sucre, on a mis du sel. Et on va rajouter notre ingrédient magique tout à l'heure. Et assurez-vous que l'énergie dans votre maison est positive. Ne faites pas ça le jour où vous avez des problèmes avec ton mari. Et une autre astuce aussi, ne faites pas votre lavage quand vous avez vos règles. Si vous annulez, vous annulez tout. Je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé, et j'ai eu la confirmation, donc je vous le dis, ne faites pas le lavage spirituel. On appelle ça spiritual cleansing. Vous enlevez les mauvaises énergies, vous enlevez les trucs qui faisaient que vous étiez endetté, vous enlevez les trucs que les gens font, ils viennent, ils prennent votre argent, ils ne remettent pas. Quelqu'un vient, il prend les produits dans ton magasin, il ne paye pas. Il dit, je suis ton ami, non, on va voir, il part. Vous êtes comme ça, là, vous avez l'argent de Yokohoha. Ça va nettoyer tout ça. Maintenant, je précise que c'est votre foi aussi que vous allez mettre dessus. Donc, voilà les passages. Écrivez Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Marc 11, verset 23 et 24.
Marc 11, versets 23 et 24. Il y a un dernier passage où le Seigneur dit, jusqu'ici, vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Attendez, je vais chercher ce passage-là. Vous allez dire, Seigneur, je viens maintenant demander. Et quand vous demandez, arrêtez de faire comme si Dieu fonctionne avec votre temps. Dieu ne doit pas attendre. Tu as demandé aujourd'hui. Demain, tu peux avoir ce que tu as demandé. Attendez, je cherche le passage. Votre vie va changer, je vous dis. Ok. Je cherche le passage. Bonsoir. Donc, on a Jean 15. Non, Jean 16, verset 24. Il dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite, complète. Écoute, ma chérie, tu n'as pas besoin d'attendre 2 ans avant que tes clients achètent tes produits. Tu n'as pas besoin, quand tu crées ta page Facebook, vous qui me suivez depuis combien de temps là, vous voyez comment... Écoutez, quand j'ai compris que je n'ai pas besoin d'attendre pour qu'on regarde mes vidéos, la croyance doit venir de ton esprit à toi-même. Et quand vous faites le travail comme ça, le lavage, je vous en prie, cherchez les produits, vous mettez en ligne. Beaucoup d'entre vous, vous me contactez. Oh, ma reine, je n'ai pas l'argent. Tu vends quoi? J'attends le fonds de commerce. Tu vends quoi? Parfois, on t'appelle, on te dit que fais-moi tes propositions de service. 2 mois plus tard, tu n'es jamais parti donner la proposition de service. Comment est-ce qu'on va t'employer? Donnez l'opportunité à Dieu de vous bénir. Dieu ne peut amener les clients que du magasin qui est ouvert. Donc, si ton magasin n'est pas ouvert, oublie. Voilà. Donc, je vais raccourcir ceci. Donc, je vais vous montrer l'ingrédient. On va juste supposer que cette eau est déjà... Regardez, vous voyez? Donc, je vais déjà commencer à mettre là quelques bénédictions dans cette eau. Je vous ai donné les passages. Au nom de Jésus, je déclare que cette eau est bénie. Je déclare que tu portes la présence du Saint-Esprit. Je déclare que tu enlèves toute impureté sur moi, sur mon mari, mes enfants, toute personne qui va se laver avec cette eau. Je déclare que tu nous charges de la puissance du Saint-Esprit. Tu restaures notre aura. Voilà ce qu'on appelle, on dit que l'incantation là. Je déclare que s'il y a des gens qui ont voulu nous faire du mal, par ce lavage, nous sommes délivrés. Et quand vous faites ça, vous pouvez vous joindre à votre lavage du jeûne. Jeûner, peut-être de 6h à 12h ou de 6h à 18h. Vous faites ça pendant 3 jours. Et aussi, vous devez avoir sur un papier la liste de ce que vous voulez. Ce matin, dans la prière, je les ai chauffés. Que tu veux quoi? Oui, je veux la prospérité. Je veux l'abondance. Tu veux quoi? Je veux 4 500 000 d'ici le 12 décembre. Parce que c'est que je vais finaliser l'achat de mon terrain. Je veux 12 350 000 d'ici le 3 février 2022. Parce que ça va me permettre de construire mon duplex. Soyez précis dans vos demandes. Quand vous allez commencer à écrire vos demandes sur le papier, c'est là que vous allez voir que vous ne demandez même pas. C'est là que vous allez voir que, donc en fait, je souffre comme ça. Je ne demande même pas en fait. Voilà. Je vous donne les conditions pour que votre lavage marche. Un des derniers détails, j'ai dit on ne fait pas le lavage pendant les règles. J'ai dit que quand on fait le lavage le matin, sans parler à personne. Si c'est la nuit, il y a les heures comme minuit. Minuit, c'est une très bonne heure. Très bonne heure, minuit. C'est chargé. Il y a aussi quoi? Quand vous faites le lavage, ne vous frottez pas avec l'éponge, genre le kucha. Vous connaissez le kucha, non? Vous connaissez le kucha? Ne vous frottez pas avec le kucha. Cherchez peut-être les feuilles de ndolé. J'appelle ça le bitalif. Utilisez le bitalif. Et quand vous frottez avec le bitalif, si vous n'avez pas le bitalif, frottez avec vos mains. Hein. Vous déclarez que comme je lave comme ça, tout ce qui était amer dans ma vie, any bitterness in my life, you are going. Anything they have put on me, any poison from the night,
Any spirit husband. Vous prenez le vitalis là aussi, vous frottez votre partie intime. Vous enlevez le jus du vitalis là, vous frottez votre partie intime. Je me sépare de tout mari de nuit. Toute personne qui retient mes chances. J'attends vos témoignages. J'ai tellement de témoignages, papa l'a fait ici. Bon. Je vais vous. Voilà le truc. On a déjà préparé. Bon, je suppose que c'est au moins 10 minutes qu'on a préparé. Je ne vais pas attendre 30 minutes. Donc, l'ingrédient clé que je devais vous montrer à la fin, c'est le. On appelle ça en anglais rosemary. Rosemary, c'est. Comment en français? C'est le romarin. C'est comme ça qu'on va pris les parfums. Hein. Tu prends le parfum, tu dis Jean-Paul Gaultier, tu dis Chanel, tu dis Joy, tu dis Yves Saint Laurent. Ils ont pris le coup de girofle, ils ont mis le romarin. Voilà notre eau. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le couvercle d'abord. Voilà. On va couper le. Ok. Bon, ma connexion. On va couper le feu. Ok. Voilà. Quand vous coupez le feu maintenant, ingrédient magique, vous mettez le romarin. Ok. Si vous voulez vous tourner. Le romarin, c'est tellement fort que vous pouvez l'utiliser même plusieurs fois. Et vous faites quoi? Vous fermez. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Donc bonsoir à ceux qui tombent sur ma page pour la première fois. Abonnez-vous sur YouTube aussi. Parce qu'il y a des vidéos courtes que je mets seulement sur YouTube. Je ne mets pas sur Facebook. Ok. Voilà. Donc, voici la consistance de ce que j'ai fait le matin. Voilà ça. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Quand tu sens, ça sent très bon. Maintenant, cette eau-ci, vous avez des options. Ce ne sera pas, bien sûr, vous ne pouvez pas bouillir 5 litres d'eau. Pardon, 50 litres d'eau pour mettre dans la baignoire. Ce que vous allez faire, ça, vous allez ajouter maintenant à votre bain. Ok? Vous allez ajouter à votre bain. Et puis, vous allez, quand vous mettez dans le bain sent comme ça. Vous allez donc parler dessus. Au nom de Jésus, je bénis cette eau. Vous vous lisez maintenant les passages bibliques que je vous ai donnés. Vous lisez, je vous ai déjà donné les passages. Même quand je mets mes doigts dedans, ça s'est chargé. L'eau s'est chargée. Voilà. Vos vœux que vous avez écrits sur le papier. Je vous ai dit que vous devez écrire ce que vous voulez. Quand vous vous mettez le matin là, au nom de Jésus, quand par ce bain, je déclare que vous lisez vos vœux. Je reçois ma maison. Je reçois ma voiture. Je te rencontre mon mari. Ou bien mes clients me payent. Ou bien mon gars, les filles qui sont avec les gars, vous qui ne vous donnent jamais l'argent là. Voilà. Mon gars me paye. Si les filles ont plusieurs gars qui financent de tous les côtés là, mes gars me payent. Je ne juge personne. Ok. Bon, ce que je vais faire, je vais checker le truc ici. Voilà. J'ai arrêté le feu. La couleur est en train de changer. L'odeur est sublime. Donc, vous faites ça comme ça. Comme ça, je peux me déjà prendre un peu, je filtre. Je peux prendre un peu déjà, je mets dans mon. Donc, voilà la petite passoire avec laquelle je travaille. Mais juste ça, tu mets l'eau dedans. Voilà. Ce que tu peux faire. Je vais juste te montrer tout, hein, parce que c'est que vous allez me poser des questions. Wow, on fait ça comment? Wow. C'est pour ça que je vous montre une fois tout maintenant. Bon, je vais prendre un truc ici.
Bonsoir au nouveau. Donc, vous puisez juste un peu. Ouais, c'est encore un peu blanc. Donc, vous allez vous couvrir normalement, vous laissez encore un peu. Voilà, je prends un peu. Regardez là comment c'est chaud. Voilà. Et puis, je verse ici. Vous voyez que la couleur de l'eau, c'est qu'il n'est pas resté longtemps dans l'eau. Et ça, vous voyez, non. Donc ça, il va encore laisser. Ça, là, il va remettre dans la marmite. Je faisais seulement pour vous montrer. Et puis, vous voyez ça. Ça, c'est ce que j'ai fait le matin. J'ai vraiment laissé dans l'eau. Voilà. Voilà un peu la différence. Bon, je vais remettre ça dans l'eau là-bas. Quand vous faites ça, vous couvrez. Et avant, tu peux couvrir comme ça même une heure de temps. J'ai donné les instructions. On ne fait pas pendant les règles. Quand vous faites aussi, privez-vous de rapports sexuels. Si peut-être vous jeûnez pour 2-3 jours, privez-vous de rapports sexuels. Faites-le le matin sans avoir parlé à personne. Il a dit que... Ok. Donc, j'ai donné les instructions. On ne fait pas ça pendant ces règles. On ne fait pas ça... bon, ajoutez un jeûne avec ça. Et puis, ayez ce que vous voulez. Ça doit être clairement défini. Ouais, Seigneur. Et bon, je pense que c'est tout. Si vous avez fait le bain, vous avez fait pour vous, faites, vous me dites, et puis vous me dites un peu. Et vous pouvez rajouter à tous vos autres bains. Vous pouvez rajouter ça à ce que vous faites déjà. Donc, vous avez déjà un truc que vous faites, vous rajoutez ça là-dessus. Donc, faites ça pendant 3 jours seulement et puis vous arrêtez. Ok. J'espère que ceci va vous aider. Il y a plein d'autres astuces. Mais vous devez seulement connaître comment utiliser les outils qu'il y a à la maison. L'eau que vous avez dans le robinet ou bien l'eau que vous avez au puits. Vous mélangez avec le sel, comme je vous ai montré. Ok. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, consultation. Je ne suis pas libre avant au moins 10 jours. Donc, Yaoundé, c'est mercredi, après-midi et puis jeudi. Donc, j'ai déjà les gens qui réservent. Je ne verrai que ceux qui ont réservé là-bas. Ok, c'est tout. Donc, je ne peux pas lire vos commentaires pour l'instant parce que ça a bugué. Peut-être c'est bien. Et puis, je vous souhaite de mettre la foi dans ce que vous faites. Ok? Mettez la foi dans ce que vous faites. Vous pouvez acheter tous les produits. Si vous n'avez pas la foi, vous venez tout en blanc tester. Est-ce qu'elle dit, est-ce que c'est même ça? Non. Venez avec la foi. Vous allez obtenir vos papiers cette année. Il y en a parmi vous, il y a seulement un petit blocage. Vraiment petit comme ça. Là. Dès que tu enlèves certaines mauvaises énergies sur ton corps, là, pfiouf, tu vois, moi, tes choses commencent à marcher. Tes clients t'appellent. Il y a une dame qui est venue, ça fait 3 jours pour prendre les bains. Elle fait après repas. Et elle me disait qu'on ne l'appelait même plus. Je lui dis que même tu ne veux pas vendre. Apprenez à faire le business. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez contacter vos clients et vous allez faire ce qu'il faut faire.